Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti. Tant coup l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est mardi 9 janvier 2024. Bienvenue dans le journal. Là. Puis, vous prenez une vague pour nous développer pour jeudi dans le journal. Ça. Bob C, qui c'est Robert de Céline, sorti dans le silence, li, fait qu'on est amis internautes, li déjà préparé pour capable de faire un sel ensemble avec Guy Philippe pour faire. Gros bataille ça contre Ariel Henry qui pas décidé. Bay pouvoir, et bien lui-même, gen gros action. Li déjà préparé, li capable de faire pendant li dispose yon série de bagaille pour aider Guy Philippe à amener li ça. Yon l'autre côté, madame, mademoiselle, dit monsieur, genye directeur RNDDH là, qui c'est Pierre Espérance, lui-même, bon côté parle, mandé pour que capable de mettre Guy Philippe en prison. Yon côté, pour machine pas frapper de quoi qui. Pour que travail ça. Guy Philippe pense sorti pour le faire, pour que il est capable de poser là. Et l'autre côté, gagner la France en France, sans amis internautes, gagner Emmanuel Macron, président pays français, lui-même qui nommé Gabriel Attal, 34 l'année seulement pour remplacer Elisabeth Borne, lui-même qui démissionné notre tête primatia. Gen secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le pays Israël pendant que lui-même a un gros affrontement qui gagne en Israël avec Hamas et Hezbollah dans le Liban a continué. C'est tout point ça yo à divers autres. Nous allons pour nous développer pour nous dans le journal ça. Restez connectés avec nous. Yon passon pour capable toujours bien informé. Une autre fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal Sida. Dans le pays la France, gagné président français Emmanuel Macron, lui-même qui nommé plus jeune et bien premier ministre qui gagné dans toute histoire la France, qui c'est Gabriel Attal qui gagné 34 l'année, qui pour remplacer madame ça qui c'est Elisabeth Borne, lui-même qui démissionné dans tête primature. En pile monde déjà commencé à parler dans tête Emmanuel Macron. Comme quoi que c'est Kabani lui-même li a arrangé pour élection qui est pour fait dans jeu cap venir yo façon pour comment que lui-même li capable réélire encore et plusieurs moun en dedans pays la France et avec gros diverses déclarations que yo pas ta supposé accepter ensemble avec un jeune premier ministre ça lui-même yo et yo constitué qui capable bay problème mais pour Emmanuel Macron lui-même yon décision que il prend net yon nomination que lui-même li fait li fèl en fonction de moun ni konnen ki kapab bay rezultat nan tête primatur lan. Genye secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui te trouvé nan pays Israël ayer côté que li fè plusieurs gros visites rencontré ensemble avec président israélien pour que ou comment capable faire et que mettez en pile stratégie de quoi que pour guerre ça pour que capable gagner moins moun qui rivé mourir gagner dans une conférence de presse que lui même il tabaille après-midi à jeudi a lui montre que madame mademoiselle dit monsieur que ça t'a supposé et bien poser de quoi que pour militants amasio yo capable râler en souffrant parce que pour quantité moun qui est en mourir sorti 7 octobre passé a pour arriver dans date jeudi a gen latrier moun ki mouri zami internaute nan pays Gaza malgré gen pile moun tout ki mouri nan pays Israël lan Hezbollah li même tout côté que genyen yon gros autorité ki te mouri nan Liban et ben c'était yon gros tête chargé ke li même lié et ben Israël yo même yo touye leader ça nan Hezbollah en dedans Liban c'est une situation qui bay en pile problème et que ça li même yo pas décidé camper là parce que pour eux-mêmes après yo vinn touye qualité leader ça Hezbollah dans Liban et bien eux-mêmes yo décidé pour capable continuer guerre ensemble avec Israël yo façon capable mettre de l'eau dans danger israélien autour sami internaute gagné leader parti EDA qui c'est Claude Joseph c'est premier politicien lui-même qui sorti tête ou qui sorti sef dans invitation et bien juge instructé à Ian qui c'est Alain Duniel dimanche lui-même dans question corruption dans CNE n'a pas plus gain en pile monde gain en pile politicien qui juge Alain Duniel dimanche lui-même li invité dans cadre ça pour qu'il capable venir répondre question et bien yo même qui rivé prendre l'autre direction yo maron yo pas aller et bien gagné Claude Joseph lui-même ancien premier ministre haïtien
sous l'ancien président Jovenel Moïse, lui-même, lui fait déclaration, quel que soit n'importe la justice, tu as fait ensemble avec lui, lui prêt et disponible pour que lui-même, lui capable de répondre à la question de la justice parce que c'est un monde qui croit dans la justice pays. Gagnez, amis internautes, la police nationale d'Haïti fait un gros coup de filet, eh bien, aïe. Eh bien, gagné deux otages, à côté que plusieurs kidnappés, trois kidnappés sous moto, yote kidnappé deux moun, qui c'est deux femmes, dans Taba 25, à peine yon pral rentre la kayo, yon croisé yon moto devant machine, yon allé ensemble avec deux mesdames yon. Eh bien, kidnapping ça, la police nationale d'Haïti, yon même yon mette de yon, jusqu'à ce que yon rive, eh bien, prend otage yon. C'est une situation qui mettait quelque content la caille en pile monde qui n'en brande qui n'en mitan famille ça et bien kidnapper ça ont déjà demandé en question de $600,000 américains malgré moun yo même yo t'a pral vendre ça qui au gagner qui c'est mettait caille en ferme qui bailler papier kembe pour comment que yo capable libérer yo mais la police même li getan fait intervention li libérer deux moun sa yo et bien ça a limité en pile quelque content la caille en pile monde en mitan famille ça côté que bandi examen dérivé kidnappé jodi a encore la police fait yon gros coup de filet en dedans rue Saint-Honoré gagné yon bandi qui s'est chauffé Kempe sans lui-même qui a dirigé dans base Belin et bien nom ça qui c'est Romain Jean-Christ l'homme monsieur la police nationale d'Haïti posé la patte sous lui qui gagné qui fait en 1991 et bien tout wa, à peine la police fin posé la patte sous lui rivé en dedans cafétéria Kempe lui-même li voyé on latrier soldat pour que capable al prend Romain nan men la police mais côté qui lui-même lié a et bien lorsque arrivé yo wè quantité chat qui gagnait tout réobligé replier yo voler gagé parce que yo dit la police nationale d'Haïti li fait un travail extraordinaire yo l'autre côté gagné zami internautes yon tibis nèg sa vient lui-même yo arrivé kidnappé et bien département la Tibonite là ça vient ça et gagné l'élection li pas décidé par chance à qui que ce soit parce que situation est vraiment compliquée. Yo kidnappé Tibis ça qui était plein à craquer yo d'après toute dernière information qui rive joindre nous et bien bus ça Luxon Elan li entré dans base ça vient ensemble avec lui. Une dernière information que nous même nous a partagé ensemble avec vous gagné Robert Céline Dibobse et bien lui-même qui reconnaît un gros travail et bien Guy Philippe lui-même lui a fait après qu'il fin prend prison en dedans pays États-Unis qui entre dans pays d'Haïti pour que capable retirer Haïti dans insécurité qui lui-même il y a et bien révolution ça Bob c'est lui-même lui fait connaître c'est un gros travail que Guy Philippe lui-même il a fait lui déjà préparé là et disposé il prêt pour qu'il capable faire une seule ensemble avec Guy Philippe river bon côté Guy Philippe c'est une mais pote collaboration son l'autre et bien il déjà déclaré lui annoncé lui prêt pour qu'il capable bailler 80% non bien que le gagne 80% dans tout ça que le possédé yon façon que capable aider Guy Philippe corré et bien ancien leader rebelle là pour que Haïti capable sortir dans sa lia avec révolution que lui-même lui dispose fait pour renverser gouvernement Ariel Henry de quoi que pour population capable sortir dans ça qui aurait les amis internautes kidnapping insécurité et yon l'autre côté gagné directeur exécutif réseau national cap défendre droit moun RNDDH et Pierre Espérance lui même bon côté parle il fait connait yo ta supposé mettre Guy Philippe yon côté yon façon que capable réfléchir action Guy Philippe a fait dans moment ça c'est action qui capable dérouter population qui capable et bien craser gouvernement yo supposé faire yon seul travail c'est mettre Guy Philippe yon côté arrêter le pour que il capable réfléchir yon l'autre côté amis internautes c'est là nous rete ensemble avec journal là pour rete connecté ensemble avec nous avec VOA Creole yon façon capable informer avec plus information à travers divers reportages monde qui t'a présenté au journal la jodia c'était amis Jerry Chiristal.
Bonsoir, depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lamélisère. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans l'ancrol haïtien, qui a un grand point cap dominé actualité. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé en Israël pendant que affrontement entre Israël et Hamas en Palestine et Hezbollah dans le Liban a continué et secrétaire d'État a fait une conférence de presse. Ancien président Donald Trump, qui paraît aujourd'hui devant un coup fédéral d'appel dans Washington, dit poursuite judiciaire, yo, gain motivation politique d'ailleurs. Et puis en France, président Emmanuel Macron nommé Gabriel Attal, 34 ans, pour remplacer Elisabeth Borne, qui lui-même bail démissionne. Et puis en Haïti, police nationale a libéré deux otages, saisi yon zam et arrêté yon présumé kidnappeur nan tabac. C'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour nan yon petit moment. Actualité a mené nous d'abord ici dans Washington côté ancien président Donald Trump comparaître devant un juge coup d'appel dans Washington côté li exprimer méfiance est-ce que li gen immunité pour la justice pas poursuivre li pour crime li commet. Sandra Lemaire gen détail. Ex-président Donald Trump comparaît devant le tribunal fédéral d'appel dans Washington pour première fois depuis plusieurs mois, mardi 9 janvier. Côté juge, exprimé méfiance, est-ce que monsieur gain immunité qui empêchait de poursuivre lui en justice pour accusation comme quoi il était comploté pour renverser résultat élection 2020. Un panel qui gagne la donne trois juges, deux parmi eux, c'est président Joe Biden qui nomme yo, t'a posé question sur si oui ou non yo gagne pouvoir légal pour considérer un appel dans moment ça côté procès a avancé. Juge yo dit li possible que yo pral voyer jeter appel Trump là. Pendant argument yo qui t'a duré en pile temps, juge yo t'a demandé avocat Trump là plusieurs fois pour défendre déclaration li fait pour dire Trump gagne protection contre accusation criminelle la justice lancée contre lui. Seems to me that if once you concede semblait d'après moi que si vous d'accord que la justice capable de suivre le président en bas certaines circonstances, argument présenté à par rapport à séparation pouvoir tombé dans l'eau et question qui devient nous connaître, c'est est-ce que vous avez raison dans l'interprétation de loi qui a rapport avec l'inculpation au président? Est-ce que une loi inculpation dit ça ou dit l'idée vraiment vrai? Tu dis respectueusement, on n'est pas d'accord. Even under Clinton, where there's a deal cut under même en bas Clinton, côté t'es gagné une entente qui basée sur pardon président Nixon t'es recevoir. Vous présumez que la justice t'a capable poursuivre. Donc pour qui ça va t'a commettre un acte comme ça? Those examples are examples of purely private conduct, for example. Ça y est, c'est exemple de comportement président dans vie privée. Par exemple, procès Clinton contre Jones, là, dit clairement que président Clinton t'a fait une entente pour y'a pas inculpé lui et lui admettre qu'un bagaille t'a fait qui pas de bon, mais ça qui t'a déroulé en privé. Personne pas jamais dit président qu'un exemption pour y'a pas inculpé pour ça qu'il commet dans vie privée. Never in our nation's history. C'est un bagage nous beaucoup gens moins dans l'histoire pays nous avant aujourd'hui que un président déclaré qu'il a immunité contre au procès criminel après mandat fini. Président a un rôle unique qui jouer d'après constitution mais ça pas veut dire la justice pas capable poursuivre. Principe séparation pouvoir dans contexte constitution l'histoire précédent légal avec l'autre doctrine sous immunité tirer conclusion sous ancien président pas gain aucune immunité qui peut j'ai le compte inculpation criminelle. Du moins, c'est dans le cas ça, côté accusé a fait face à l'accusation comme quoi il était comploté pour renverser résultat en élection présidentielle. Ce n'est pas un moment propice là pour nous reconnaître quelques nouveaux types d'immunité criminelle. Après audition, Trump t'est parlé avec journaliste dans l'hôtel Waldorf Astoria, qui était hôtel Trump International, le monsieur était dans la Maison Blanche là. L'idée de faire concession sur deux grands points, et moi, quoi, y'a t'es gain raison de faire ça. Moi, pas quoi, y'a t'es gain en pile choix, parce que argument nous t'es puissant. Et moi, quoi, n'a bien mené. Moi, quoi, la justice, département justice là, département justice Biden, n'a poursuivre ou opposant politique, chiffre y'a bas dans le sondage. Chiffre qui sortit dans le sondage, y'a étonnant
pour Joe Biden. Et moi, quoi, je comprends que c'est comme ça qu'on peut gagner l'élection. Hein? Mais ce n'est pas comme ça du tout. Il y a des ordres dans le pays. Hein? C'est un mauvais bagaille, un mauvais précédent. Là, vous parlez de menace pour la démocratie, c'est ça qui est vraie menace pour la démocratie. Hein? Moi, quoi, en tant que président, il faut qu'on gagne immunité. C'est un bagaille qui est simple. Trump a insisté pour dire qu'il n'a pas commis aucun crime et qu'il a déclaré la justice à poursuivre pour raisons politiques. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Et l'autre point qui a dominé l'actualité, nous parlons dans la région Moyen-Orient, côté que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est trouvé en Israël. Et bien, pendant que l'affrontement a continué, notamment avec Hezbollah et avec Hamas, eh bien, dans la conférence de presse que le secrétaire d'État a bas, il fait qu'on est que les États-Unis a continué à soutenir Israël, mais il a demandé Israël pour diminuer dans la dimension de guerre dans Gaza. Et il a annoncé tout que Israël d'accord pour un comité, une délégation qui a sorti dans les Nations Unies visiter Gaza pour voir quelle situation est. Et Gentil Augustin Junior a gagné une mise à jour. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Moyen-Orient pour rencontrer leader yo. Yon façon pour empêcher la guerre entre Israël et Hamas la gagner dans la région. Alors que Hezbollah continue à attaquer Israël depuis après la mort de l'élite commandant Lyon. Et Israël dit li pas suspend attaque Lyon dans Gaza tout autant groupe armé Hamas la pas détruit. Everywhere I went, I found leaders who tout côté moi t'ai allé, moi t'ai joindre leader qui engagé pour empêcher propagation conflit n'a fait face là. Fait tout ça qui possible pour empêcher yon escalade, pour empêcher conflit à vinn pi plis. Secrétaire d'État américain Yan Anthony Blinken te rive Tel Aviv en Israël ayer lundi 8 janvier après plusieurs arrêts dans Moyen-Orient dans cadre d'une campagne diplomatique pour empêcher la guerre dans Gaza propager plus. Déplacé qui sorti dans camp Gaza, voyez message pour secrétaire d'État américain Yan. Message moi pour secrétaire d'État américain Anthony Blinken, fais nous tourner dans nos Gaza. Même dans yon tente, li pi bon passe ici là, parce que n'ap souffri. Ça fait 3 mois depuis nous rete ici là. La pi bon si nous allez la kaye nous. Président israélien Isaac Herzog, dit jeudi mardi 9 janvier ya, pas gen un yen qui pi atroce et sans sens, passe yon procès qui te déposé dans le tribunal international justice qui accuse pep Israël là de génocide contre palestiniens dans offensif li nan Gaza. On Thursday, a proceeding jeudi, procédé yo pral commencer devant tribunal international justice là dans La Haye. À cause plainte Afrique d'Isid contre peuple Israël là pour soi-disant génocide. Pas gen un yen qui pi atroce et sans sens passé déclaration ça. Kasa pral concentré sou un pile civil parmi plus passé 23 000 moun d'après autorité santé Gaza yo di qui mouri dans la guerre qui gen plus passé 3 mois entre Israël et Hamas. Société Croix Rouge palestinien te publié yon vidéo ayer lundi 8 janvier ya qui montre moun qui te blessé yo te mené dans l'hôpital Al-Aqsa. Après ça, li te di c'était attaque l'armée israélien sou camp réfugié Magazi ak Del Halbala dans Gaza. Déplacé nan quand Younis dit l'armée Israël la détruit tout ça qui sous route li. Attaque ça détruit wash, pied bois et puis tout yeti moun ak grand moun âgé. Tout bagay qui sous terre c'est cible l'armée Israël la. Tout bagay qui ka déplacé visé nan Palestine et spécialement nan Gaza. Plus passé 22 000 Palestiniens te mouri dans l'opération l'armée Israël yo. D'après autorité santé palestinien yo. Et puis fonan 2.3 millions moun yo te obligé quitter kay yo. Puis gros opération l'armée Israël la nan Gaza te lancé après attaque 7 octobre groupe armé Hamas la qui te touye plus passé 1200 moun nan sid Israël et qui te kembe environ 240 moun en otage d'après statistiques israéliens. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et puis toujours dans le dossier guerre et dans New York gagné et manifestants pro palestiniens qui bloquaient pont avec tunnel pour demander un cessez-le-feu dans la guerre Israël-Hamas là. Et magistrat Eric Adams même prend disposition et plusieurs manifestants joignent arrestation. Nous sommes sur place dans New York, Valérie Saint-Louis.
Hier lundi 8 janvier, plusieurs manifestants pro-palestiniens ont bloqué plusieurs ponts avec un tunnel dans la ville de New York. Yo gens pour mandé yo cesser le feu campé tiré immédiat dans conflit Israël avec Hamas qui durait déjà 3 mois. La police t'a arrêté plusieurs centaines de manifestants ça yo et puis yo t'est arrivé réouvrir route qui t'est bloqué yo. Selon médias locaux yo gagnent plusieurs douzaines de manifestants ça yo qui t'a chanté des slogans pro-palestiniens avec pancarte kebe nan main yo. Yo t'est chita dans entrée pont Brooklyn, pont Manhattan à pont Williamsburg là à travers quartier East River. Yo t'a chita tout bon entrée Roland Tunnel là qui passait en bas rivière Hudson là qui dit même connecté ville New York là avec ville New Jersey. Yo porte-parole département la police New York là te dit que la police s'est arrêté en tout 325 manifestants ça. Yo t'est nettoyé, débarrassé tout côté yo avant midi. Magistrat ville New York là Eric Adams dit que droit pour moun protester, pas bay moun droit pour yo bloquer pont ak route yo. The right to protest does not give one the right to block bridges and tunnels as we saw this morning. Droit pour protester, pas bay yo moun droit pour bloquer pont ak tunnel. Jean nous te wè matin. Williamsburg Bridge, Brooklyn Bridge, yun ou bien deux tunnels d'après observation moi. Nous te gen drone yo en l'air et qui te permet moi bien wè sa k t'a passé en dedans manifestation ça qui t'a supposé gen objectif pour protester pacifiquement sans yo pas faire gros désordre dans ville là. Gen quelques moun qui pas seulement conduit rentrer sorti dans ville là pour aller dans travail yo. Gen quelques l'autre qui eux-mêmes a fait face à quelques vrais problèmes urgence. Moi très clair. Ça fait nous tout mal pour nous la vie nous ça perdit kounia. Nous besoin faire tout ça qui possible pour nous finir ak n'importe qui bagaille right qui la cause que moun innocent perdu la vie yo. Mais Hamas yo doit détruire yo c'est une organisation terroriste Zak Baba yo fait 7 octobre là pas ka ignorer chaque otage yo doit laguer et puis permettre de retourner joindre famille yo et puis nous besoin joindre une résolution la paix dans ça qui a passé kounia là réellement à travers globe là pas seulement dans Moyen-Orient ça qui a passé dans Ukraine à ça qui a passé sur une partie dans continent Afrique là pas gain place pour la guerre ak moun innocent qui a perdu la vie yo. C'est comme ça, magistrat ville New York, là, Eric Adams, t'es parlé pendant une conférence pour la presse. Manifestation t'est organisée par organisation Jewish Voice for Peace, mouvement jeune palestinien, avec organisation socialiste démocratique américaine, chapitre New York, parmi plusieurs autres groupes défenseurs palestiniens, selon ça qui a été dit sous plateforme X, là, ancien Twitter. Campagne militaire peuple Israël, là, t'est dirigée dans Gaza contre Hamas, t'est touillé plus passé 23 000 Palestiniens, selon ça officiel local, y'a été dit. Alors que peuple Israël a dit que Hamas aimait plus passer 100 otages sous 240 qui ont été pris pendant l'attaque qui a été faite dans la date 7 octobre-là. Sous peuple Israël a côté que 1200 personnes ont mouru. Peuple Israël a accusé Hamas comme quoi il a opéré dans la population civile. Là. Et officiel militaire israélien a publié vidéo et photo, il a dit qu'il supportait réclamation ça. Militant Hamas sur beaucoup de pays s'est menté pour détruire peuple Israël. Là. Et il a démenti accusation ça. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Nous allons parler qu'on y a immigration, gain secrétaire département sécurité nationale les États-Unis, Alejandro Mayorkas, qui était trouvé hier au Texas pendant que gon nouveau caravane qui prend naissance dans pays Mexique en allant à Bibri. Yon nouveau caravane migrant qui formé au Mexique hier lundi et qui gagne environ 2000 moun la donne apparaît pour pull-up sous frontière. Pi fò nan moun caravane sa yo te en déplacement depuis période Noël là et au fait qu'on est que gouvernement mexicain ak autorité immigration yo te fait une promesse semaine dernière yo tap ba yo visa transit pour faire voyage là sans problème. Mais d'après yo c'était bluff. Vidal Sanchez, c'est un migrant pays Honduras. Nous voulons une possibilité pour nous venir au Mexique pour nous acheter un terrain et vivre là. Nous aimons Mexique et nous voulons gagner encore un visa. Pendant ce temps, migrants yo parmi yo jeune monde, petit monde et yo à pied, yo marché dans direction ville Tapanatepec dans Oaxaca qui trouvait à environ 800 km dans partie sud pays Mexique. Leader caravane, militant Luis Villagrande, critiquait autorité mexicaine qui était déjà gagné yon caravane dans finissement semaine qui s'est passé là. Migration, la Guardia Bureau Immigration, garde nationale, acclamé couri derrière mesdames et timoun. Moi conseille yo pour y aller derrière pito trafiquant drogue yo, réseau corruption yo, vrai monde qui a fait trafic humain yo et pour yo pencher sous problème corruption qui a gangrené gouvernement fédéral là. Corruption pas jamais kaba si c'est des monde pauvre ça yo y a courir. Nous dit garde national là toute l'armée, nous pas ennemi yo.
Monsieur Villagrande ajoutait, la police mexicaine t'a déjà gagné yon caravane qui t'a gagné là-dedans yo, moun qui sorti principalement dans l'Amérique centrale là ak nan Caraïbes là et yo t'a dirigé aux frontières. Dispersion ça fait après groupe là t'a monté à bord autobus pour y aller dans divers centres immigration dans espoir pour te ka recevoir permis voyage là pour yo même ak toute famille yo, ça t'a permettre de faire transit là sans problème dans Mexique. Agence Nouvelle Reuters t'a contacté autorité mexicaine qui ont même pas de faire commentaire sous cause ça. Pendant un secrétaire américain pour sécurité nationale, Alejandro Mayorkas t'est allé dans Eagle Pass dans Texas hier lundi pour discuter sous sécurité dans frontière États-Unis partagée avec Mexique là et il témoigner reconnaissance Washington pour Mexico. We are grateful. Nous reconnaissons pour engagement répété Mexique pour lutter contre déplacement monde en direction nord. Nous travaillons avec l'autre pays en Amérique latine, parmi eux Panama, pour lutter contre circulation monde dans tout hémisphère là. Nous continuons à ouvrir voie légale. Monsieur Mayorkas reconnaît la situation catastrophique sous frontière pendant y ajouter, il prend bon gens sanction contre monde qui a organisé voyage clandestin. Number one. What we are experiencing at the southern border is not unique. Premièrement, ça n'a vu sous frontière pas fait honneur à ni frontière sud là ni à États-Unis. C'est tout hémisphère là qui a fait face à une crise immigration sans pareil dans l'histoire récente là. Vraiment vrai, c'est un bagage qui baille tout le monde en pile souci. Deuxièmement, nous avons devant nous un système immigration qui est défaillant et qui vraiment besoin de réparation parce que l'île là depuis plus passé 3 dizaines d'années. Donc, tu as connu là, tu as gagné une caravane. Là, c'est un nouveau caravane qui fait que établi parce que tu as gagné que déjà la police t'est déjà crasé. Dans fait semaine, yo même été expliqué que eh ben, si yo t'es allé dans plusieurs côtés, eh ben, l'État a servi, mais yo été en seul côté. Mais yo même dit que c'est pas vrai. Donc, caravane, il se prend direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là, quand on a dans l'Hexagone, en Europe, en France, président Emmanuel Macron choisit Gabriel Attal, 34 ans, pour remplacer Elisabeth Borne, qui lui-même baille démission hier lundi. Passation de pouvoir, réaction, Serge Rodriguez, gain détail. Président français Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal, qui était à la tête du ministère de l'Éducation jusque-là, comme premier ministre pays de la France, jeudi mardi 9 janvier, mais en tentative pour bailler deuxième mandat lié à plus Jarrette avant déroulement élection pour Parlement européen. M. Attal, là, qui est homosexuel déclaré, c'est plus jeune premier ministre qui jamais occupé poste là dans toute histoire nation européenne. Je pense au particulier aux classes moyennes, cœur battant de notre pays, artisan de la grandeur et de la force de notre nation française. Ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent, mais qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités. Cette classe moyenne qui travaille et qui finance par son travail nos services publics et notre modèle social. Ces Français qui, parfois, ne s'y retrouvent plus. Des Français doutent, mais au fond, je sais qu'ils espèrent aussi. Car au fond de nous, au plus profond de nos consciences de Français amoureux de notre pays, nous le savons, la France ne rimera jamais avec déclin. Sous vos paliers, ancien Premier ministre Elisabeth Borne, qui a démissionné comme à la tête primature française, a exprimé confiance li dans la détermination remplaçant l'IA pour faire travailler la France besoin d'un moment. Tu as la détermination et l'énergie pour mener une équipe et porter les projets nécessaires pour notre pays. Tu as aussi cette volonté de tenir, de respecter la parole donnée. En te sachant dans cette fonction, j'ai confiance et je t'adresse tous mes vœux de succès. Tu peux compter sur moi pour t'y aider. Il en va de la réussite de notre pays et c'est finalement la seule chose qui compte. Moun kap analyse choix président Emmanuel Macron fait dans ce sens-là. Dit c'est une façon pour ranger Cabanli avant d'Ominangeli, c'est-à-dire mettre tout plié en état d'alerte avant les législatives européennes. European elections or in June. Élection européenne yo pral déroulé dans mois juin ka vilain. Leader français a seulement gain 5 mois devant lui dans moment quand extrême droite là a monté en flèche.
côté M. Macron a traîné derrière Marine Le Pen qui gagne en avance 8 points sous parti président dans son sondage et c'est un gros coquin avance qui donc locataire par l'Élysée et voulait nommer un premier ministre capable d'entrer dans la bataille là fête et fournie. Il y a un monde qui est bon en pile dans le domaine de communication et qui est capable d'aller dans le programme radio le matin pour faire débat tink en tink avec étoile filante quand extrême droite là, que c'est Jordan Bardella. Il y a un résident de Ville Paris, Sophie Varian, précisé c'est président Macron qui vient dernier mois sous question. Je pense que de toute manière, c'est lui qui décide de tout, Emmanuel Macron. Donc évidemment, après, il prend Gabriel Attal, il est idéal parce qu'il est jeune, il est un ministre complètement dédié à son président. Donc, idéalement, il rentre bien dans le cadre. Après, le remaniement, qu'est-ce que ça change pour nous? Personnellement, pas grand-chose. Youn Ladayo, c'est leader parti La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui dit sur plateforme X, qui était le Twitter avant, avec nomination si la post-premier ministre la disparaît en France parce que c'est dans main yon ancien porte-parole, l'al atterri. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Le président Emmanuel Macron a fait l'histoire comme plus jeune président qui nommait tout plus jeune premier ministre. Et premier ministre a déjà, d'ailleurs, il était sorti là en Pas-de-Calais, côté que les visités y ont groupé sinistré. Nous allons dans un petit moment Las Vegas. Et oui, nous avons un envoi spécial, Fred Kaimit, dans Las Vegas, pour cours d'envoi salon CIS, là, ou bien CIS, là, qui c'est Pigou, il y en a Pigou, événement technologique qui fait. Nous allons rejoindre Fred Kaimit. Un produit que j'ai eu la chance de découvrir dans le salon technologie CIS, Anissa, c'est Heavy Wing. Heavy Wing, c'est compagnie Movano Health qui crée, et c'est un bag intelligent qui fait pour aider mesdames avec santé yo. Bagla gen yon senseur biométrique la donne qui adapté avec corps mesdames yo. Système bagla bay un rapport chaque jour sur activité mesdames yo tant combien calories yo boule pour journée an ak combien temps yo passé abdomi. Tyler Boucher qui c'est CMO dans Movano Health te ba nou plus détails sur produit si là. Donc ça c'est bag EVA qui c'est un bag qui fait spécialement pour gérer santé mesdames yo. C'est femme net alcoolée qui créé li. Ou ka wè femme nan qui gen ouverture qui fait pour accommoder différents taille douette. Parfois douette moun kon enflé nan nuit ou bien le yo gen règle. Et puis tout nous fait pour bien aller avec l'autre bijou. Ou capable wè li très différent si ou bien gardé. Ça c'est téléchargeur qui vini avec bag là. Li complètement portable et ou capable porter n'importe qui côté ou praler. Li charge bag là jusqu'à 10 fois et puis batterie bag là durer à peu près 3 jours. Et puis gagne un app là. Bag là gagne données li ramasser pendant li nan droite là pour ba ou idée complet qui j'en passé journée an. Li ba ou crédit pour quantité temps ou dormi, crédit pour si ou marché, combien temps ou t'es passé à monter descendre, combien calories ou boulé et puis état d'esprit ou. Plus vous servez avec, c'est plus civil intelligent. Et il va commencer par vos conseils pour améliorer santé ou que vous capable servir pour changer façon à vivre. Tyler fait nous connaître le système biométrique qui est dans le bag là et des mesdames qui gèrent l'activité pendant la journée. Il y a différents bagages. Par exemple, le ou fixer un objectif. Donc, au lieu de dire qu'il faut qu'on prenne 10 000 pas par jour, il faut qu'on dorme 8 heures de temps, nous avons une série de choix que vous êtes capable de faire si vous voulez, par exemple, dormir plus ou bien être actif et puis établir objectif ça. Après un temps, apparaît la vie plus intelligente. Et les cardio prend 10 pas en plus par jour, dormir plus profondément. Ou bien l'abdio chaque mois, Vedatsa, ou qu'on gagne migraine, ou faire attention, ou bien peut-être ou plus fatigué qu'il n'y a à cause phase lutéale régo. Viewing dans ces seuls bagues intelligents qui créent spécialement pour mesdames, il est disponible dans toute qualité qu'on sait, gros, petit, médium. Il y a un monde capable de jouer pour $269.
Merci Fred Gaimit. Fred Gaimit, c'est envoyé spécial VOA Creole dans CIS Salon. N'importe quelle actualité concernant le pays d'Haïti, la police nationale a libéré deux otages, saisi 11 armes à feu et arrêté un présumé kidnappeur dans la commune Tabar. Yves Manuel, gain détail. Police nationale d'Haïtien libéré deux otages pendant une opération unité temporaire anti-gang UTA qui menait dans le commencement de semaine. Dans le cadre d'opération, ça, il y a un présumé kidnappé qui est Rémi McKinley, interpellé bon côté force l'audio et gain 11 armes à feu qui saisit deux victimes, côté yon âgé de 57 ans, t'es kidnappé mardi 2 janvier 2024 là dans Tabar 25. C'est individu à exam qui a circulé à bon motocyclette qui t'es commet Zaksa pendant Mounzao t'as paré pour entrer la caillou. Yo t'es trois à bord yon véhicule lorsque malfrayo passé au l'ordre pour descendre et puis kidnappé deux femmes yo. Selon un premier élément information, la police disposé, il y a un processus à demande de rançon qui était déjà en main, bon côté ravisseur, et même famille a négocié pour bailler un bagatelle de $600,000 américains en échange avec libération otage. Grâce à la coopération, ça, la police réalisée, otage rejoint liberté sain et sauf. Au commandement police nationale d'Haïtien, France LB renouvelé engagement pour rétablir l'ordre et la paix dans la population pendant toujours dit la prêter bon côté tout policier. Frères, sœurs, mes collègues policiers, moi, nous l'autre fois encore, moi salue courage et détermination nous, la lutte que l'a mené dans le pays y a contre toute qualité bandit pour permettre population mener activité. Nous passer année 2023 qui pas facile. Nous policiers, nous risquons de vivre chaque jour dans la rue. Je dis encore, nous avons des frères qui sont blessés. Nous faisons un pile sacrifice pour le pays. Nous faisons un pile pour réduire le phénomène de kidnapping et recommencer à mettre la population en confiance. Réalisation de la dernière activité culturelle montre ça. Comment nous fiers de nous? En nous éviter la manipulation, en nous rester soudés, en nous rester unis dans le respect de la loi, dans le respect règlement intérieur institution, avec respect principe démocratique. Malgré engagement force l'audio pour garantir sécurité population, il y a plusieurs localités dans la région métropolitaine Port-au-Prince qui sous contrôle gang armé. Par exemple, dans Mariani, bandit armé assassiné pour petit 8 citoyens pendant le week-end et kidnappé plusieurs autres. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et qu'on y a nous parle en Floride avec Jean-Marc Hervé Abelard. Pendant week-end les rois, Ali la rivière New Look à Axamilio est présenté par le public là. Nouveau album New Look là qui porte le nom Just For You. Dans un concert qui t'a déroulé dans M2 dans Washington Avenue, dans Miami Beach dans l'État Floride. C'était une belle soirée. Malgré son tap coupé pendant Ali tap chanté, mais ça va t'empêcher le public là chanter ensemble avec l'artiste là. Chaba Tony Chomema, qui s'était invité à Ali dans le concert, s'est mis en difficulté dans le public, là, dans le tabac de mes foules. Ali, je vais vous souvenir de la fin de la fin. Tout le monde a fait la fin avec nous. Je vais vous souvenir de la fin de la fin. Fanatique de nous. Parce que nous avons dit, nous avons dit ça comme ça. Mais c'est ça. Allez, nous avons dit ça comme ça. Et nous avons chanté. Ok? Je dois filer les mêmes à Tévin Foué de l'eau pour descendre chaleur. VOA Creole, tu racontes Pipo Saint-Louis dans le conseil, qui est un opérateur qui tire la critique d'art, et il te dit non, qui s'allie penser des conseils si là. Même pas que son soirée qui mettait en évidence, et m'avait dit succès, un succès assez rapide de l'album. Là. La majorité des titres sont repris en cœur par le public, c'est même impressionnant, je dirais. Vous sentez que son jazz qui répétait tout, et c'est assez impressionnant qu'un album fait sortir,
et que nous avons joué avec autant de maturité, autant de maîtrise. Donc, je suis capable de dire que la soirée ça, annoncée en 2024 est extrêmement prometteur pour nous. Dans le doute, oui, si même, tu n'es pas allé pour le dire. Là, toujours, on doit en pile pour satisfaire. Mais l'essentiel, c'est que et en pile monde capable de sortir satisfait parce que le temps de coupure pareil donc pile monde capable satisfait donc moi même pas sorti satisfait donc je souhaite qu'elle était plus bon que ça mais malheureusement c'est ça le bail. Jean-Marc Viabila, Miami pour VOA Creole. Et c'est là nous mettons fin dans le programme. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous, moi c'est Jacques Labézia. Bonsoir.